que le BIM. Vous allez au fil des mois en entendre de plus en plus parler. Nous allons donc vous présenter cette avancée technologique liée au secteur du bâtiment. Le BIM est une méthode qui permet à l'aide d'un logiciel d'optimiser le processus de conception, d'exécution et de gestion. Dans cette méthode, le bâtiment est représenté dans un modèle en trois dimensions. Toutes les informations pertinentes le concernant, comme l'isolation ou le niveau de ventilation, sont ensuite liées au modèle 3D. Cette maquette numérique réalisée au départ du projet va évidemment évoluer dans le temps avec l'ajout de données transmises par les différents intervenants. Mais plus qu'une maquette en 3D, il s'agit d'une véritable mine d'informations sur l'ensemble des composants techniques du bâtiment. Les composants sont traités comme des objets et à chaque objet peuvent être associés des caractéristiques techniques, marque, modèle, taille, résistance au feu ou encore acoustique. Le BIM doit ainsi permettre de rendre les informations plus compréhensibles par tous les acteurs du projet afin d'améliorer la collaboration et la productivité. La construction connaît un profond bouleversement avec deux révolutions simultanées, la transition énergétique et la transition numérique. Ces deux mouvements convergent dans le BIM. Demain, vous pourrez être confronté à des appels d'offres avec l'utilisation de ce logiciel. Des modules de formation sont déjà à l'étude pour faire entrer cet outil d'avenir dans votre quotidien.